Et salut à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. J'ai failli dire un autre. Donc, la dernière fois, on s'en était arrêté ici. On venait d'ouvrir ce tombeau. Je sais même plus ce qu'il nous avait rapporté. Enfin bref, on en était là. Donc, on va reprendre ici. Allez, donc, on continue là. Hop. Tac. Alors, la lumière là. On peut y aller apparemment. Ah. Faut que je trouve un moyen de monter. Bah oui. Comme ça, par exemple. Pif. Et là en dessous, c'était où on était, hein. Il n'y a pas des plateformes là, on a l'impression qu'on peut y aller là-bas. Non. Je me dis, mais comment ils ont fait pour construire des trucs à ces endroits-là, tu sais. Ah bah on est revenu là. Ah bah on est revenu au début. Hop là. Oula. C'est pas passé loin. Comme qui dirait, hein. Ok, donc là on a déjà tout exploré du coup. Hop. On s'en va d'ici. Bisous bisous. Vas-y, mets-lui une main aussi. Au cadavre. Allez, c'est parti. J'ai monté un petit peu le son du jeu d'ailleurs, hein, parce que dans mes autres épisodes, j'ai vérifié le son et j'ai l'impression que c'était un peu faible le son du jeu. Allez. Donc là, normalement, a priori. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, j'ai fini la crypte qui était là. J'ai tout récupéré. J'ai récupéré un plan qui m'a donné des indications sur certains trucs, comme cette relique. Et ici, ce tombeau. Ah non, le tombeau, je l'avais découvert. Donc on va peut-être faire le tombeau, là. Qui est ici. Défi tombeau à proximité. Allez. Et la petite grenouille. Donc ça c'est pour récolter du poison, hein, quand on a la compétence. Allez, c'est parti. Vous avez besoin du piolet. Ah, mais je l'ai pas récupéré le piolet dans mes trucs. Oh la déception. Bon, bah continuons alors. On va essayer de trouver ce petit truc là. Voilà, donc il y a une petite mare. C'est sur la droite. Tiens, une plante, hop. Ouais, la petite mare, elle est là. Donc l'objet, il est là. Dans cette boîte. Voilà, un mouchoir. Il porte le monogramme PHF. Probablement les initiales de Percival Harrison Fawcett. Ah, donc c'est ça, Fawcett, c'est le. Donc tout à l'heure, c'était Jack Fawcett, je crois, c'était son fils, hein. Percy Fawcett, ouais, c'est ça. Ok, alors là maintenant, il y a quoi là? C'est quoi ça? Une plante herboriste. Plante particulière, c'est où? C'est pas du tout là. C'est par là, un petit peu sur la gauche. Ici. C'est ce truc là? C'est quoi ça? Ça fait ça. C'était ça? Voler dans les plumes. Je ne sais pas, non, on dirait pas. Non, ça c'est des plantes récupérées. C'est quoi ces plantes alors?
pas. En tout cas, je suis en plein dessus. Donc c'est au-dessus de moi. Non. Est-ce qu'on peut y monter là? Non, on dirait pas. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est que ce truc. Bon. Tant pis, il y a un autre trésor qui traîne par là, on va aller le chercher. Ah bah tiens. Non, c'était pas ça. Pas du tout. Hop. Là, y a rien, non. Du tout. C'est en face, là. Ok. Je peux descendre, là? Je peux pas monter, là. Ah, mais non, j'ai pas le piolet. Je n'ai pas le piolet. Je n'ai pas le piolet. Donc, on va aller faire ça, hein, tant pis. On verra plus tard les trésors. Il y a une plante. Non, un trésor encore. Une boîte. Avec des ressources. Allez hop, une peau. Clac. Hop, tiens, il y a un bout d'aile de l'avion là. Je sais pas ce que je pourrais en faire. Ok, donc là, le trésor est ici, ça brille. Qu'est-ce qu'on va récupérer cette fois? Rien du tout parce que c'était pas là. C'était plus par là. Ah non, c'était par ici, donc ça devait être là-haut. Il doit y avoir un truc là-haut là. Je ne sais où, peut-être. Là derrière, non, on peut pas y aller là. On ne peut pas. Ah, je peux fabriquer des flèches comme ça, juste en cliquant. Ok. Tiens. T'es puf. T'es puf. Ok, faut que je déloge les nids de je sais pas quoi là. Allez, là on va là-bas du coup. Je crois que c'est ça, hein, là. La quête principale, c'est quoi ça? Un document. Attendez, on va aller voir. C'est... Ah! Bah, je peux pas y aller pour le moment. Je pense qu'il va me falloir le piolet aussi. Allez, on est fou! J'ai une petite rivière en dessous. Ah, là-bas il y a une zone en bas. Ça fait quoi les oiseaux si je les tue? Miguel? Ça me fait de l'XP. Et des plumes. Miguel, alors où est-ce qu'il est Miguel? Oh ça. Oh, du sang. Miguel? Où tu es? Ça sent la bête sauvage. Oh. Les bottes. Miguel? Miguel? Oh, ça pue. Ça pue pour lui, hein, les traces de griffes un peu là. Du sang partout. Un parachute. Tout ensanglanté. On va suivre les traces de sang. Miguel ? Qui nous mène par ici. Ça sent le guépard ou le léopard ou un truc comme ça, enfin. Ou le tigre peut-être. Oh. Oula. Ouf. Ça en fait du sang tout ça. C'est pas bon pour Miguel. Ouf.
c'est Miguel. On dirait bien, hein. Ouf. Une panthère ou un guépard. Ou un léopard. Un léopard plutôt. Oh là là, les singes. La grosse bébête a mangé Miguel. Ah! Aïe! Zut! Il y a un nid de machin là. Oh non, merde! Ah, ça pue, hein. Je peux les tuer aussi, qui sont pénibles là. Hop là, défi réussi. Parfait. Ok, donc là, faut pas qu'on se fasse avoir par la grosse bébête. Je sois très prudente. Plutôt, ouais, c'est mieux. Attention. Pas du tout fan de ce truc. Je sens que ça va nous sauter la gueule. Oh, j'aurais pu l'avoir là. En vrai. Je peux pas sauter là, non. Vainquez les jaguars. Ouais. Attendez. Boum. Wow. Ok. Où c'est qu'il est? Ça fonctionne. Wow. C'est vrai que ça fonctionne, c'est des flèches. J'ai plus de flèches. Cette compétence que j'ai pris là pour voir la cure, c'était peut-être pas indispensable. Allez, schlack. Allez, un de moins. Yo. Attends, il y a encore le copain. Eh oui. Oula. Vas-y, un coup de couteau là dans la gorge. Ça t'a pas plu que je tue ton copain? T'as pas envie que je te tue aussi? Hum.
trouver Jonah. Ah, c'est F1 pour se soigner. Oh, c'est nul comme raccourci ça. Ok. C'est un peu nul comme raccourci ça. Attendez. Option. Attribution des touches. Ah ouais, d'accord. Plante de soins, endurance, machin. Ouais, bon, on va laisser ça. Ok. Ok. Très bien. Faut aller où maintenant? Il y a plein de trucs à ramasser là. C'est quoi ça, une flèche? Je peux ramasser mes flèches que j'ai ratées. Ok. Il y a plein de plantes. On va faire plein de plantes peut-être pendant qu'on est là. Qu'on a un peu le temps. Ok, il y a des bouts de tissu par terre, je sais pas d'où ils sortent. Ok, bon allez, après c'est quoi? Il y a un bout de tissu qui traîne là-bas. Je vais juste ramasser quand même les ressources parce que c'est quand même important. Je pense que je vais en avoir besoin si je veux améliorer rapidement mon équipement. Hop, je crois qu'il restait un bout d'arbre là, voilà. Et après je pense que j'ai poncé la zone là, non? Ouais, il reste un truc au milieu là. Ah, des plumes là. Et là, une plante. Allez, c'est parti, on y va. Hop, bon. Premier combat de entrecrochet boss. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je pourrais presque mettre le jeu en difficile en fait. Mais j'ai pas trop envie de galérer non plus. Oh, le reste de l'avion. Au bout de l'avion. Jonah! Oh, l'eau elle est très très claire là. Oh, elle est belle. Hein. Ah ouais. Jolie l'eau. Grimper aux arbres. Ok. Pas mal. Donc on peut grimper aux arbres assez facilement. Tiens, c'est quoi ça, du bois? Ah non, parchemin. Journal de Jack. 6 juin. L'enthousiasme communicatif de père est au plus haut, mais je suis assaillie de doutes. Au milieu de la nuit, je l'ai surpris à fixer les étoiles, le regard d'un blanc lunaire. S'il ne m'avait pas si souvent raconté toutes ces histoires sur l'Amazonie, je pourrais croire qu'il y avait de la tristesse dans ses yeux, peut-être même du regret. Ce doit être ces insectes qui nous montent à la tête qui le mettent dans cet état. Mmh. Oui, il est taré. C'est quoi ça? Une fresque? Tiens. Je pense que c'est intéressant de regarder la carte de temps en temps quand même, voir s'il n'y a pas des trucs à faire autour. Oh, la jolie cascade qu'on va pouvoir escalader. Ouah, l'eau elle est trop belle. Je veux aller me baigner. Oh, des animaux là, c'est quoi ça? Je ne sais pas. La fresque, comment on y monte là? C'est pile poil derrière moi. Ah bah c'est par là. Hop. Ah, il me faut le piolet. Eh oui, je n'ai pas le piolet. Ah bah il est peut-être dans le reste de l'avion là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des jolies cascades. Ça peut me donner des idées hein, pour mes futurs zoos, pour mon zoo, sur la partie Amazonie. Faire des trucs avec des cascades comme ça, c'est des petits bassins intermédiaires. C'est très joli. Avec des vieux temples en ruine. Ok, alors là on va aller là-bas. Hop là.
Oh là, c'est quoi? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Petit bug. Quelle épave de l'avion. Jonah, t'es là, Jonah? On dirait qu'il est pas là. Hein. Hop là. Aïe. Oh, les piolets. Ben voilà. Très bien. Jonah. J'ai cru que t'étais mort. En même temps. Hey, tu sais où est passé Miguel? Oui, oui. Il a survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Dégueulasse. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. C'est toi. Allez, on va te couper la main et enlever le gros verre. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah? Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. Pff, dégueulasse. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. C'est dégueulasse. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kouakiaku, on pourra se reposer cette nuit. À tes souhaits. Bonne idée. Donc là, on va récupérer du matos, non? Un petit peu. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Ah bon? Je suis contente que tu sois resté près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse, alors. Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Bah, quand il s'est fait comment bouffer. Tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau? Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Ah bah non, elle est dégueulasse. Ouais, vraiment, ces trucs, ce que t'as raconté, sur les cataclysmes, l'apocalypse... Je crois que si c'est vrai, c'est assez important pour se sacrifier, ou pousser les trinitaires au meurtre. Donc c'est une question de vengeance? Non. Non. Quand j'ai pris la clé, j'ai aussi senti une force qui m'attirait vers quelque chose. C'est bien réel. Si t'as senti une force qui t'attirait quand t'as pris la clé, elle est dans ta tête maintenant? Non. Elle est partie quand Dominguez a pris la clé. Si c'est aussi fort que ça, comment tu peux être sûr? Écoute, essayons de trouver Kouakiaku, ok? Ouais. On va peut-être... explorer un petit peu, là je serais bien aller chercher cette fresque là-bas. Si c'était une question de vengeance, je comprendrais. Tu crois vraiment? Tu préférais pas être dans un endroit chaud et sec avec une bière et peut-être une jolie demoiselle à courtiser?
Ouais, c'est pas faux. C'est carrément vrai. Des ressources. C'est pas une vengeance. Ah, faut que j'aille là-bas. Hop là. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau là? On va attraper des parasites nous aussi. Est-ce qu'on va attraper des parasites? Hop, alors. Bah là on va monter là-bas. Du coup. On va monter là, clac. Et là. Tac là. Allez. Mais pourquoi elle est tombée cette guignole? Allez, monte. Ah ok, on peut les jeter en avant. Pouah. Ok, donc là faut aller à gauche, je pense. On monte là-bas. Hop là. Alors. Là-bas il y a un truc, on dirait. Il y a les oiseaux. J'ai l'impression qu'on peut aller là-bas. Oui, bah de toute façon, oui, c'est là-bas. Hop là. Oula, ouais, fallait sauter. On creuse ici. Le petit trésor. Non. Ok, il faut continuer par là. Ah oui, il y a une grotte. Crypte découverte. Ah bah voilà, c'est ça, il y avait une crypte. Et ça, c'était quoi? Une cage de survie. Ok. Allez, entrons dans la crypte. C'était pas bien costaud ce mur. Allez. Les grosses têtes là. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Une épitaphe sur une croix. Si J. Raleigh Rimmel, notre ami. Ah. 1925. Il y a autre chose. Ah oui, ça je me souviens. On peut examiner pour trouver des informations cachées. Quelles informations cachées? Attention, piège droit devant. T'as vu ça où toi? Attention, piège droit devant. Ok. Bah allons-y. Il y a des pièges. On s'en fout, on y va. On est ouf, nous. Personne n'est venu là depuis des années. Ça, c'est une fresque. Voilà. Puisse la voix de Rimac être la première à résonner à nos oreilles dans l'au-delà, pour que ces histoires nous apportent le réconfort. Ok, tu as une boîte. Ok, là, faut faire ça. Chouk. Alors, piège droit devant. Ouais, là on le voit là-bas, on a vu la corde. C'était un peu trop évident là. Oula, qu'est-ce que c'est que ce piège? Ah oui! Ça aurait piqué je pense hein. À mon avis. Ça aurait fait un sacré bobo. Ah ah! Crâne humain déformé. Ce crâne a une forme inhabituellement plate et longue. Certains y voient la preuve que les Incas ont été contactés par des extraterrestres, mais c'est plus probablement le résultat d'une déformation volontaire, une pratique plus ancienne encore que l'écriture. Dégueulasse. Il présente également des marques de trépanation, une procédure médicale qui consiste à pratiquer un orifice dans la boîte crânienne. Ouais, pour faire quoi? C'est horrible. C'est dégueulasse. Monolithe débloqué. Savoir antique amélioré. Vous pouvez désormais déchiffrer les monolithes quechua intermédiaires.
Ok. Donc on en apprend de plus en plus et on peut déchiffrer des trucs plus compliqués. Ok, donc là on est là, on va pousser ça. En espérant que ça nous ouvre ça là-bas. Non, ça ouvre juste ça. Ça doit être la sortie. Bah oui, mais c'est par là que je suis arrivé. Je veux aller là-bas, moi. Je veux pas aller à la sortie, mais je veux aller plus loin. Voilà. Wow. Et moi qui pensais que ce serait simple. Et comment ça monte ce truc en vrai? Hein? Tu m'expliques ça? Il y aura un espèce de méga mécanisme dessous. Ok, donc là on peut monter là. Absolument pas. Ok, ah oui là-bas. Point d'intérêt révélé. Sarcophage. Ok, on monte. Là faut aller où? À droite. Hop. Allez. Quoi? Attends. Espace, espace. Ouais. Ah, il est là le sarcophage. Ok. Oh. Oh là là. Ah oui, faut faire attention à ces trucs. Oh, ces têtes, elles sont glauques. Hein. Elles sont hyper glauques. Alors, là il y a un piège, attention. Ok, il n'y a pas d'autres pièges. On va ouvrir ça. Je devrais pouvoir atteindre le sarcophage maintenant. Ah, cool. Merde, cool, cool. Je vais devoir encore grimper. Ah, évidemment. Tiens, là il y a du bois. Ramasser le bois. Alors là, clac. Ok, donc là faut sauter et clac, voilà. Là on va monter. Comme d'habitude, hein, comme toujours, c'est très très joli. C'est très très bien. Les caméras sont très très bien placées à chaque fois. Faut que j'aille à gauche là. C'est pas d'où je viens. Non. Ok. C'est très bien cadré à chaque fois. Les décors sont au top. Ah, le sarcophage. Qu'est-ce qu'il y a dans le sarcophage? Nouvel équipement acquis. La cape de machin. Ok, certaines tenues vous donnent des avantages en jeu. Quand vous la portez, changez de tenue, vous faites quand? Ok. Ok, et là ça fait quoi? Je peux sortir par là-bas? Attendez, là il y a deux passages. On va juste voir ce qu'il y a là-bas. Ah, il y a de l'or. Là-bas ça doit être la sortie de l'autre côté, et là c'est une cache. Ouais. Une salle cachée. Hop. De l'or. Avec une tenue de conquistador espagnol, quelque chose comme ça. Ouais. L'empereur païen supplia qu'on lui laisse la vie sauve. Il offrit à la couronne d'Espagne une pièce de 3 varas sur 6 remplie une fois d'or et 2 fois d'argent. La couronne, dans sa grande mansuétude, accepta la proposition. En moins de 2 mois, la rançon avait été payée. L'idolâtre, cependant, n'était pas digne de confiance. Lorsque les plans machiavéliques de l'attaque surprise de... Ouais, bon, allez. On va pas tout écouter. Si vous avez envie de lire, vous lirez en mettant pause. Hop. On continue. Ça concerne pas l'histoire du jeu.
C'est de l'histoire autre. Voilà. Ah ouais. Clac. Très bien. Raccourci. Raccourci. Je suis allé là. Je sais plus. Je suis allé là. Je sais pas si je suis allé là. Si si je suis allé. Si si je suis allé là. Si si. On n'a plus qu'à sortir maintenant, on a tout trouvé, je crois. Hop. Ouais. Ouais, on doit être vers la sortie là. Ouais, on remonte. On remonte. Voilà. Bon, un petit tombeau. Très bien. Très dans l'esprit Tomb Raider. Comme d'habitude. Hop. Donc le jeu est très très classique, mais en même temps avec sa nouvelle histoire. C'est pas mal. Il y a un trou en bas là-bas. Là il y a un truc à creuser. Yes. Des ressources. Peut-être qu'on va, avant de continuer l'histoire, retourner au feu de camp là. Bah tiens, il y a des trucs là. Une caisse encore. Et encore un journal de Jack Fawcett. 1er août. Ce soir, nous ne trouvons pas le sommeil. La jungle gronde et la lune ne nous aide pas. J'entends la forêt respirer dans mon cou. Son grognement qui fait vibrer la terre. Son énergie indomptable circuler dans les arbres au-dessus de nous. L'imagination est fertile dans une obscurité si épaisse. La fatigue guide nos recherches. Ouais, pareil, vous lirez si vous avez envie. Ça me fait beaucoup penser au jeu de société. Comment il s'appelle ce jeu de société? Avec des cartes, là. Mince, je le goûte la langue. Avec un style graphique très... très BD franco-belge. La cité perdue, non c'est pas ça. Je me souviens plus. Un jeu très très sympa d'ailleurs. Alors le feu de camp, on va juste regarder si on peut améliorer nos trucs. J'ai d'avoir retrouvé Jonah, surtout après ce que Miguel. Au moins Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars, je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentré si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. Ok, donc on peut améliorer nos armes. Piolet, piolet de la terreur. Il fait quoi lui? Un robuste piolet d'escalade. Un design primaire adapté à l'escalade et au combat. Les ennemis ont plus de chances d'être assommés et resteront inconscients plus longtemps. Ouais, il est mieux quoi. Même si l'autre est pas mal aussi. Alors... Ok, donc déjà on a un arc qui est mieux. Celui-ci, l'arc de Pukahuk. Alors, blablabla. Puissante et plus rapide. Dégâts, cadence de tir, vitesse de dégainage. Augmente la tension de la corde de l'arc pour infliger plus de dégâts aux ennemis protégés. Ok. Arc de l'herboriste renommé Pukahuk. Capable de voyager entre les dimensions selon la rumeur. Ok. Ah, il y en a qu'on peut améliorer, d'autres non. Si je prends lui par exemple. Amélioration des armes. Les armes ont des caractéristiques de l'arme. Comme la précision, la maniabilité, la capacité des munitions, etc. Ok. Ok, donc effectivement, on peut améliorer ses armes. Ok, donc on va fermer ça. Moi, je veux voir déjà celui de base et on peut l'améliorer. Donc lui on peut pas l'améliorer celui-ci. Et celui-là il est pas mal hein. Durée de maintien. Un arc souple fait à partir de bois. Sa corde fortement tendue permet de tirer rapidement et de faire plus de dégâts aux animaux.
Ok. Réduire la tension, maintenir la flèche plus longtemps. Ok. Lui, il est pas mal, je pense, hein. Fais voir. Lui, il est standard, quoi. On va pouvoir l'améliorer deux fois. Bon, on va pouvoir avoir un truc équilibré, quoi. Alors que l'autre, celui-là, on a une meilleure cadence de tir et une meilleure vitesse de dégainage de base. Par contre, on a un moins bon durée de maintien. En général, je tire assez vite, donc c'est pas trop gênant. Ouais, lui, il est moins bien quand même. Ah, mais attendez, j'en ai d'autres. J'ai celui-là aussi. Ah, frappe d'argent. Flèches silencieuses chargées peuvent perforer les armures et passer au travers des cibles sans armure pour toucher plusieurs ennemis. Ah! Mais c'est un arc cheaté, ça, non? On dirait un peu. Il est vraiment cheaté, lui. Lui, il fait moins de dégâts, mais je peux l'améliorer. Je vais prendre lui, quand même. Alors, je vais faire ça, déjà. Clac. Ensuite, je vais faire ça. Clac. J'ai tout ce qu'il faut en ressources. Ouais, je vais faire ça aussi. Là, je vais faire ça pour améliorer mes dégâts. Là, je vais faire ça pour améliorer ça. Voilà, ça je ne peux pas. Ça, je vais le faire quand même aussi. Pour monter la cadence de tir. Voilà. Meilleur sur l'arme niveau 4, fermé. Ok, très bien. Le piolet, on peut pas l'améliorer. Le couteau non plus. Donc on verra ça plus tard. On va prendre le super piolet hein, quand même. Tant qu'à faire. Hop. Une amélioration disponible. Mais non, je vais pas équiper celui-là, moi. Je vais équiper celui-là. Voilà. Celui que j'ai amélioré. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ça me dit que je peux faire une amélioration. Ok, très bien. Les tenues. Alors, encore une fois, j'ai traîné du coup. Donc, je suis à 40 caps de machin. Alors, augmente la durée des effets de plantes. Ok, et ça, jambes sont naturelles. Ouais, on s'en fout. J'ai fait traîner comme d'habitude. Équipement filin, ok. Voilà, je traîne comme d'hab. On va juste faire les compétences et puis après on s'arrêtera quand même. Oh non, je le ferai la prochaine fois les compétences. Allez, hop, on va du coup s'arrêter là pour cette session. Donc 43 minutes, c'est un peu plus long que d'habitude du coup. Et ben la prochaine fois, on continuera notre aventure. Allez, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!